Bonjour, donc je suis David Andreu, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier depuis 1997. Et dans les, au début des années 2000, euh, j'ai pris part à la création d'une équipe recherche commune entre l'Université de Montpellier et l'INRIA euh, qui traitait de la stimulation électrique fonctionnelle. Nos recherches, elles ont consisté à mettre au point des solutions thérapeutiques basées sur la, la, la stimulation électrique fonctionnelle. Le principe, c'est en fait de mettre au point un petit dispositif implantable dans le corps humain qui va nous permettre, en fait, de faire de la stimulation sélective. On a, par exemple, on l'a appliqué, par exemple, à la restauration de la, de la sensation euh, chez l'amputé, euh, ou alors aussi au contrôle de l'appréhension chez le tétraplégique. L'idée au départ, c'était euh, pas de partir de la déficience fonctionnelle, mais de partir des principes de base de l'électrophysiologie, c'est-à-dire grosso modo les, les principes du fonctionnement électrique du système nerveux humain. Dans le cadre de ces recherches, donc nous avons produit euh, différents brevets et logiciels, et l'ADIPA nous a accompagnés justement à la fois pour le, de, le dépôt des brevets auprès de, de l'INPI, mais aussi pour la protection des logiciels auprès de l'Agence de la c'est l'Agence de protection des programmes. Bien, à travers ces années de recherche, on a vite réalisé, euh, mon, mon collègue David Guerreau et moi-même, que le seul moyen d'apporter cette solution thérapeutique jusqu'au patients, c'était euh, de créer notre propre entreprise. Parce que nous sommes là sur des marchés de niche euh, qui intéressent euh, très peu les, les, les grands comptes industriels du secteur. Donc, dans un premier temps, euh, avec l'accompagnement de la DIPA, nous avons euh, constitué. Euh, mon dossier de demande d'autorisation auprès de la commission de déontologie de la fonction publique. Cette autorisation est fondamentale, hein, elle est essentielle pour avoir le droit effectif hein, de, de pouvoir valoriser des travaux issus de la recherche publique à travers une entreprise privée. Pour ce faire, vous devez effectivement euh, contractualiser autour de, de, des brevets et des logiciels que vous allez valoriser à travers votre entreprise. Une fois que vous avez créé l'entreprise, votre première préoccupation, c'est de la développer. Et donc, il faut trouver une modalité qui vous le permet. Celle que nous avons euh, retenu, c'était en fait que je passe en délégation dans l'entreprise. Donc, ça m'a permis pendant trois ans de développer euh, à la fois le, le dispositif que l'entreprise met au point parce que c'est son c'est son business, mais aussi de pousser plus en avant nos essais cliniques. Afin de prouver que nous étions capables, effectivement, que nous maîtrisions cette solution thérapeutique et que nous étions donc capables de contrôler la main d'un patient tétraplégique. Durant ces trois années, nous avons pu développer l'entreprise, donc continuer à produire de l'innovation que nous avons protégée à l'aide de brevets, déposer de nouveaux logiciels. Ces trois années nous ont permis. Euh, à la fois de, de, de montrer notre capacité à produire un, un dispositif, euh, à industrialiser un dispositif médical, euh, notre capacité à effectivement euh, restaurer l'appréhension chez le tétraplégique O, euh, et donc nous sommes parvenus à, à réaliser une levée de fonds qui va nous permettre de financer la réalisation de la d'une pré-série du moins euh, d'un plan. et donc la question qui se posait c'était comment j'allais prolonger euh, mon implication dans l'entreprise. et donc la solution que nous avons retenue c'est le détachement. donc je me suis passé pendant trois ans en détachement dans l'entreprise et on dressera un bilan euh, au terme de ce détachement. Les, les possibilités de valorisation de la recherche publique sont vraiment vastes. Euh, et la DIPA m'a vraiment aidé à démêler tout ça et à arriver à trouver les modalités qui étaient adéquates à mon projet professionnel.